amis téléspectateurs, bonsoir. Nous comptons entrer la caillou pour premier paraître fenêtre culturelle là pour semaine ça. Mais un grand point n'a pas pour nous porter pour vous à soir. Première édition, les rendez-vous de la poésie contemporaine a déroulé sorti 19 pour arriver 23 avril 2021 dans différentes villes dans le pays, tant Okaï, Saint-Jean-du-Sud, Camperin et puis Torbec. Cette culturelle pied poudré dans tête collée avec le ministère Kilti à communication pour couronner 15 francophonies. Lancé lundi 12 avril 2021, une exposition qui baptisée figure bidimensionnelle de Franck Etienne. L'activité ça coïncidé avec la célébration date naissance trésor national. Cette site ça y a avec diverses autres informations nous pourrons développer à soi pour une fenêtre là, pas déplacer, n'a pas retourné. Valdivieso, une histoire qui a débuté en 1879 sur la terre chilienne, avec des hommes et des femmes soucieux de la qualité, les vins et champagnes de Valdivieso sont aujourd'hui présents dans le monde entier. Du vignoble à la table, c'est une tradition de qualité. Valdivieso occupe la tête des classements en matière viticole et continue de gagner de nombreuses médailles. Valdivieso s'invite aux plus prestigieux événements et aux plus grandes tables. Pour des fêtes de fin d'année, pour des moments d'amour ou d'amitié, pour vos rencontres en famille, entre collègues, ajoutez la touche merveilleuse et pétillante de Valdivieso. Valdivieso vous souhaite déjà un joyeux temps des fêtes. Valdivieso, parce que vous méritez le meilleur. Pour contribuer à la formation d'enseignants compétents et qualifiés, le Collège Saint-Pierre de l'Église épiscopale d'Haïti lance cette année, à travers le CFEF, Centre de formation pour l'école fondamentale et les jardinières d'enfants, les programmes de cours suivants. Après 3 années, l'étudiant obtient l'un des diplômes suivants. Diplôme de jardinière d'enfants. Au niveau fondamental, diplôme en langue, en mathématiques, en sciences expérimentales, études sociales, conseiller pédagogique. Pièce exigée, acte de naissance ou extrait des archives, copie d'une pièce d'identité valide, diplôme de fin d'études secondaires, frais d'inscription 1000 gourdes. Après les inscriptions, le postulant doit subir un test d'admission à l'écrit suivi d'entrevues. A noter que les diplômés du CFEF peuvent enseigner aux 3 cycles de l'école fondamentale. Le CFEF, 53 rue Capois, à côté de l'ambassade de France. Téléphone 22 26 42 07. 22 26 42 07. Béga, entre petite. Ah, ça passe ça réglé. Ah, on connaît. De nos journées là-bas, c'est ouais, qui miracle. Et puis toi, tu me regardes tout de là, oui. Garde nos gâchis, Béga soumis. Quatre chiens au bel, quatre chiens au bouclé. Et pas avant de tout cas de rose. Sans te comprendre, comme si. Ou pas contre sérum nat. Ça que sérum nat là. Bon, moi, je t'ai expliqué. Qui t'aime dire, sérum nat, c'est un produit dans la gamme nat qui est très efficace. Qui est bon pour tout type d'alopécie ou gain. N'importe côté. Et j'en cheveux manger, y a poussé. Ou besoin de fournir et venir rapide tout, pas hésiter. Sérum nat, li qui mérite. Li sous tout marché. Market, pharmacie et même dans quelques studios de Grécis qui est Delma 87. Chérie, vous entendez? Ou pas besoin de parler, chérie. Vous entendez tout le bagaille. On a lâché comme nat. On a allé. Oh! Kasumi, on a allé! C'est Rom Nat. Je vous ai annoncé dans grand titre aux amis téléspectateurs. On a fait connaître cette culture et le pied poudré. On a peut-être collé avec le ministère Kilti et la communication lancé lundi 12 avril 2021. Une exposition qui baptisait figure bidimensionnelle de Franck Etienne pour couronner 15e francophonie. Une activité qui m'a rendu à célébration 85e anniversaire d'essence Franck Etienne. Cérémonie s'est déroulée devant Otea, artiste peintre Franck Etienne, ministre Kilti à communication Pradel Henriques, plusieurs cadres dans le ministère, directeur Pierre Poudréa et puis parmi en pile l'autre invité. N'a suivi le reportage Saïd Antoine avec l'Aurore d'Arlie Jean-Jacques. C'est un Franck Etienne qui chargé avec énergie, qui te mette pied dans le centre qu'il tirait le pied poudré à, pour te venir participer dans le premier jour exposition Zev Lio. Pour circonstance là, Max Robinson Villers d'Ortilus, directeur Saint-Lan,
te bayon diskous sou implikasyon centre lan nan travay sa. Le centre culturel Pied Poudré en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication vous accueille ce matin pour le cocktail d'ouverture de cette exposition qu'on avait choisi de titrer Figure bidimensionnelle de Franck Étienne. Il s'agit de l'exposition d'une cinquantaine d'ouvrages littéraires de catégorie roman, poésie, théâtre et nouvelles, ou tout simplement d'œuvres spirales, de peintures, d'extraits de journal et de revues, de photographies du Centre culturel Pied Poudré de la Bibliothèque nationale d'Haïti, que je remercie également. En plus, chapeau ministre qu'il tient à communication, hein? Près d'elle, Henriques, t'es senti li gen obligation pour li là. Parce que non seulement l'icône habitué travail sous œuvre Franck Étienne, mais tout comme monde qui grandit dans l'ombraille haute spiraliste là. J'éprouve un immense plaisir et un grand honneur de prendre la parole aujourd'hui dans un double contexte et dans un double objectif. Il s'agit d'abord de poursuivre les activités de la quinzaine de la francophonie, lancée traditionnellement depuis le 20 mars dernier et baptisée cette année par la secrétaire générale, Madame Louise Mushi Kiwabo, femme francophone, femme résiliente. Deuxièmement, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage bien mérité à Franck Étienne, dont aujourd'hui marque ses 85 ans de dur labeur. Quelque part, c'est quand on a une connexion, une spirale, qu'on a les vignes qui fait entre Franck et moi, mais qu'on ne doit pas même qu'à là, je dis ainsi, Franck Patla. J'ai beaucoup travaillé sur l'œuvre picturale de Franck, soit la nouvelliste, peut-être bien longtemps, Baba Impression, que j'écris sur l'art, sur les arts plastiques, sur le cinéma. J'étais obsédé par son œuvre plastique. Depuis 15 l'année, Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck Étienne d'Argent, tout le monde connaît son nom, Franck Étienne, toujours invité, selon sa liffère qu'on est, en pile invitation. Mais, implication li, accent qu'il tire le pied poudré et puis ministre là, t'es imposé pour le passé. Sans présence pour un, là, li lié directement, non seulement à l'UA, pied poudré, payant, pour la payant, qui jouait dans pièce théâtre, qui te baille pièce théâtre, valeur, et bien à côté de ça, de casser les os, qui permettent que m'la caille pour là, et bien mes principales barrières qui fait que comme contre la m'te pas vini, si m'la, parce que m'te que toi dis non, m'habitue dit non. Et tout, depuis 15 ans, m'a dit non, pour dire, pour aller la richesse, ministre de la culture à plat, m'a besoin qu'on ait ça qui a passé. De mettre par étape pour 2 minutes, par étape pour 15 minutes, pour 20 minutes, par étape présence pour prendre l'engraisse. Je connais le Simon, ça a eu le petit 4-4. Figure bidimensionnelle de Franck Étienne, c'est assemblage de coquines chaînes livres au théâtre. Quelques tableaux li, plusieurs dizaines d'articles, dans plusieurs langues, dans le journal dans différents pays, et puis projection quelques textes li écrits, tant coup, casser les os. Exposition ça qui commençait exactement pour 85 l'année Franck Étienne là, na date 12 avril là, a bout jusqu'à 30 avril. Lisé événement qui mettait un bout dans quinzaine francophonie dans pays d'Haïti. Pour public qui a besoin visiter là, l'a disponible sauti lundi pour arriver samedi, chaque 10h pour arriver 3h après-midi. Première édition les rendez-vous de la poésie contemporaine là a déroulé sauti 19 pour arriver 23 avril 2021 dans différentes villes dans le pays à Tankou, Okaï, Saint-Jean-du-Sud, Camperin et puis Torbeck. 15 écrivains haïtiens, parmi eux Billy Doré, Melissa Beralus, Jean-Billy Mondésir, Abgué pour visiter à Cresponsabio, différents établissements escolaires, Tankou lycée Philippe Guerrier, institution mixte Frère Odile, lycée de Saint-Jean-du-Sud, pour ne citer ça seulement. Il a profité tout dans la même occasion en faire conférence, atelier lecture, causerie et écolier. Permettre jeunes de faire connaissance à Clivio et puis écrivain, c'est principal objectif, les rendez-vous de la poésie contemporaine. Et c'est là qu'on deuxième pause, non, pas déplacer, n'a retourné. Avec l'autre information, toujours sur télévision nationale d'Haïti, dans Fenêtre Culture. Bega, entre petit. Ah, ça passe, ça réglé. Ah, on connaît. De nos zones là, c'est ouais, ou qui miracle. Et puis, toi, tu m'as dit là, oui.
Quand nous cachons les casumis, cachons au bel, cachons au bouclé. Et pas avant d'être tout calé rose. Sans te comprendre. Comme si. Ou pas contre sérum nat. Ça que sérum nat là. Bon moins, chita m'explique ou? Qui t'aime dire? Sérum nat, c'est un produit de gamme nat qui très efficace. Qui bon pour tout type d'alopécie ou gain. N'importe côté. Et j'en cheveux au manger, y a poussé. Ou besoin de fournir. Et venir rapide tout, pas hésiter. Sérum nat, li qui mire. Li sous tout marché. Market, pharmacie et même dans quelques studios de Grécis qui n'ont Delma 87. Chéri, vous entendez? Ou pas besoin de parler, chéri. Vous entendez tout le bagaille. On a lâché comme ça. On a l'air. Oh! Kasumi, on a l'air. C'est Rom Nat. Le café fait partie des trois principales boissons contenant de la caféine les plus consommées dans le monde. En Haïti, on vous propose Café Luxe. Café Luxe, café lavé. Le café sans égal. Le café de haut de gamme. Le café de bonne qualité. Café Luxe. Café Luxe, l'or noir d'Haïti. 100% local. Ou toujours sous télévision nationale d'Haïti. Merci pour fidélité ou attention. Ou à suivre Fenêtre Culturelle. N'a fait connaître Islamé Nerva Noël. En plus, le monde connaît sous nos artistes, les Nerve, nos fils de plume. Apparaît pour aller représenter PIA dans la 18e édition Coupe du Monde Slam, qui a fait sauter 11 pour arriver 16 mai Cap Vinila dans la ville Paris, pays la France. J'ai des slammers qui t'a bail détail sous tout noir, si tout dans ça qui gagne pour accréter sélection, fait qu'on est, il pas gain aucune inquiétude et puis d'après ça, il dit il qualifié pour rentrer à coupe là en Haïti, même s'il reconnaît groupe Lio gain en pile niveau. N'a suivre déclaration là dans micro d'art 3. Moi prends connaissance de critères concours à partir de 2017 pendant moi qui monté Belgique, monté participer pas en tant que assistant. Et dans la Coupe de Slam qui était faite dans le Parlement européen. Et puis, je me suis rencontré avec l'organisateur et Coupe du Monde Slam. Je me suis demandé pour que ça, depuis la compétition, ça a fait, Haïti n'a jamais participé. Je me suis dit, mettez bon tout critère. Je me suis dit que soit Slam est la champion national, la Kali, ou du moins, s'il remporte un prix, et on prix, un gros prix qui est récent, ça veut dire qu'il faut que Slam ait la grande structure. Que le gain est tout autour de lui. Et depuis 2017, je travaille sur ça. Et puis en 2021, là. Et 2020, je suis désigné comme meilleur slammer haïtien de la décennie. Ça veut dire slammer qui fait plus de bagailles pendant 10 dernières années. Et puis, je suis eu la chance de tout sélectionner comme membre jury dans un concours international qui était fait l'année dernière. C'était Slammer à vous la parole. Et son concours qui fait en Afrique. Et puis, c'est ça, c'est ensemble de bagailles ça, qui fait que moi-même, je suis qualifié pour être capable de représenter Haïti dans la Coupe du Monde. C'est une compétition qui a fait à 20 pays. Et dans 20 pays, ça va diviser en 4 groupes. Je suis capable de considérer que le football, c'est 4 poules. Et dans la poule A, on a besoin d'Haïti, on a besoin de Japon, on a besoin de Maroc, on a besoin de Côte d'Ivoire, on a besoin de Mozambique. Et qui est dans la poule ça. Et puis, c'est 6 textes. Il y a chaque slammer parce que chaque slammer pourra le slam dans une langue maternelle. Et du coup, il y a une bonne traduction qui a fait en anglais et en français de chaque slammer pour permettre à public et à mon jury de comprendre. Et c'est 6 textes, mais ça va vous dire que slammer a une chance de 6 textes. Pour vous dire 3 textes dans le premier tour, sous passé ou qualifié pour le deuxième tour, vous avez un texte et le reste texte dans la phase suivante. Ça me besoin comme support. Déjà, c'est pour billets d'avion. C'est nous trois qui devons aller. Et moi-même, avec deux mon staff moi, qui devons aller, nous avons un billet d'avion que nous pouvons pas clair pour vous. Et puis, bon. Et on dit habillement, on sait de l'autre bagaille qu'on est capable de besoin comme frais poche, on sait de l'autre bagaille. Quelque chose à côté mon aïe, on a diaspora, on a haïtien. Ça, mon aïe, c'est pas pour, vraiment pour moi, il a fait pour moi tout, mais c'est pour payer à son geste patriotique. Il est capable de contacter dans 42 31 3309. 42 31 3309, ou du moins si c'est pour appel ou mon cash, si on voulait, il est capable de dans 37 98 03 75. 37 98 03 75. Au moins qui est dans la diaspora, tout. S'il veut faire un transfert, c'est nous ouvert avec un transfert et de bonne volonté. Il est capable de faire la partie de nous et Nerva Noël. Rapper et acteur américain Earl Simmons, qui est un artiste DMX, mourit vendredi 9 avril 2021 dans l'hôpital dans la ville de New York à l'âge de 50 l'année. N'a pas rappelé rapper a été hospitalisé semaine passée pour cause d'une crise cardiaque. DMS gagne un palmarès li plus passé 30 millions d'albums qui vendent sur marché international là. Li c'est youn nan visage qui représente mouvement rap là dans monde là. N'a suivi un papier sous icône Agaro Cetilus.
Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gonna make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gonna make me lose my cool. Up in here, up in here. DMX qui est vrai nom lui, Earl Simmons, fait 18 décembre 1970 dans Mount Vernon, dans l'État de New York. Malgré une enfance difficile, difficultés et preuves face au caractère jeune rappeur qui était en affaire avec la justice depuis qu'il a gagné 14 ans pour activité criminelle. Il a commencé une carrière musicale lui, dans l'année 1988 dans beatbox, une méthode à dissoter qu'on utilisait pour faire musique avec bouche. Il a signé un contrat avec production Daf Jam dans l'année 1997. Avec lui, il a sorti le premier album lui, It's Dark and Hell is Hot, 12 mai 1998. Une réalisation qui connaît un gros succès commercial, 6 millions d'exemplaires vendus. L'album Silla, classé disque platine 4 fois dans le pays États-Unis, disque platine 1 fois dans le pays Canada. 6 mois après, DMX sortit deuxième album, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, dans date qui était 15 décembre 1998. L'album Silla a remporté un pile titre, même avec le premier album. Distinction pour réalisation de l'album Sayo. Classé DMX comme deuxième rappeur après Tupac Shakur qui mentionné dans Billboard la même année pour deux albums. Artista a enregistré environ 7 albums avec plusieurs collaborations avec succès. Il participé dans le film Tanko Romeo doit mourir dans l'année 2000. Dans l'année 2003, il participé dans Un sursis et puis New York 911 dans l'année 2004 avec diverses autres réalisations cinématographiques encore. Malgré succès rappeur, à plusieurs reprises, il y a un problème avec la justice, soit pour possession de drogue, soit pour conduite pendant les sous, soit problème avec fiscalité avec l'autre encore. Il est mort vendredi, qui était 9 avril 2021 à 11h du matin, dans l'hôpital dans New York. They don't know who we be looking, but they don't know who they see. First we gonna fuck, then we gonna fold, then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya, X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Dans la rubrique portrait la soirée aux amis téléspectateurs, nous allons permettre tout découvrir un jeune auteur qui c'est Milady Augustin qui a évolué ici en Haïti. Il a écrit un livre déjà dans l'année 2018. N'a permet tout découvrir plus à Portrel. Milady Auguste, une jeune dame qui mariait passion avec discipline pour bousquer la vie. Médecin et puis jeune auteur, Milady inscrit non la nouvelle génération auteur haïtien yo en 2018. Avec publication premier livre qui titré En attendant le bout de la caverne. C'est l'histoire de Mélodie de Villefort qui sont jeune haïtienne qui t'a étudié en France mais qui gagne mon oncle qui sont chercheur haïtien et chercheur haïtien ça t'a fait recherche sur Atlantide et ont assassiné chercheur là. Donc là Mélodie retourne en Haïti pour essayer de découvrir pour qui ça yo tué mon oncle et puis sa histoire ça est du genre Atlantide en Haïti. Ce qui ça a fait Atlantide ça en Haïti. Et puis en parallèle, Mélodie a vu rendre compte que il y a l'autre monde des haïtiens, des étrangers qui sont venus en Haïti également pour essayer de découvrir c'est quoi cette histoire de recherche autour de l'Atlantide. Mélodie commence à griffonner un mot sous Kyle depuis le petit, mais entourage lui prend connaissance sur ça, elle gagne 11 ans. Il était décidé écrire complètement première nouvelle lui. J'ai écrit ma première nouvelle à 11 ans et demi et puis je me rappelle toujours du titre, ça s'appelait Le rêve devenu réalité. Donc j'étais toujours à l'école, au Sacré-Cœur, et j'aimais écrire parce que j'aimais lire. Parce que j'étais une très grande fan de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Donc j'aimais la sensation que j'éprouvais en lisant ces livres, donc je voulais également faire la même chose. Je voulais savoir si j'avais la capacité de créer un monde aussi magique et puis transporter les gens et les faire aimer les personnages autant que moi j'aimais ces personnages. Donc c'est comme ça que je me suis adonnée à l'écriture et bien entendu à l'école on se partageait nos petits cahiers quadrillés avec mes histoires et puis les enfants aimaient ces histoires-là et je n'ai jamais arrêté d'écrire. Donc j'ai grandi et plus les années passaient, plus j'avais de nouvelles histoires et puis mes amis demandaient la suite. Donc c'est comme ça que ça a commencé et puis je ne me suis jamais arrêtée. Passionnée pour l'être,
Milady pas hésité pour autant pour entrer dans médecine après études classiques li. Première raison, c'est parce qu'elle pas jamais écrit tant qu'on un métier libre, mais une activité li capable faire sous côté. À partir de 3e secondaire, on toujours dit que oui, c'est classe humanitaire, c'est pour commencer faire choix de carrière, etc. Donc sincèrement au départ, j'ai eu 3 choix. Premier choix, j'étais le journaliste. Papa me courait derrière, maman me courait derrière. Mais il y avait un cours de biologie que j'aimais à l'école et franchement, j'étais vraiment aimé science, j'étais aimé chimie, j'étais aimé biologie. Et vraiment un professeur biologien, c'est un médecin. Donc il était venu inspirer me faire médecine et puis plus m'a grandi dans l'école, m'arriver jusqu'à arriver en philo, moi était venu gain objectif et ben d'accord. M'a pas la fois médecin, mais pas la fois tout écrivain parce que m'pas d'avoir jamais qu'à quitter écriture en derrière. Donc c'est comme ça que comme depuis l'école, moi j'étais habitué écrire et m'étais trouvé temps tout pour m'étudier. Donc c'est ça qui permet moi l'arrivée à l'université, moi j'étais qu'à faire équilibre très facilement. Pourtant, l'idée refusée complètement faire un éventuel choix entre médecine et lettres. Pour lui, toutes deux définissent mon lié à et sorti indissociable. Je ne peux pas choisir entre la médecine et l'écriture. Écriture là, c'est un coin échappatoire lié et puis on façon pour m'exprimer. Mais médecine, c'est carrière moi tout. Et moi j'aime médecine parce que moi j'aime prendre soin de monde, moi j'aime surtout de ces monde. Donc tous les deux carrière ça c'est littéralement deux aspects de personnalité. C'est ça moi lié. Moi son médecin, moi son écrivain. Jeune mariée, Milady signe en pile nouvelle sur blog ou même médias en ligne par boy site. À côté écrit pour mener les telio dans quelques aventures palpitantes. Tant que je le fais ni pour roman liant, ni pour texte publié sur blog yo, Milady toujours cherche un moyen pour militer pour une cause, pour prendre position, pour dénoncer. C'est façon pâle pour jouer partition dans changement pays. C'est la journal Lambout. Merci pour ce que tu as suivi. Avant nous aller, qu'il nous rappeler au grand titre nous t'ai porté pour à soir. Première édition, les rendez-vous de la poésie contemporaine a déroulé sorti 19 pour arriver 23 avril 2021 dans différentes villes dans le pays à Takou, Okaï, Saint-Jean-du-Sud, Camperin et puis Torbec. Sot Kiltirel pied poudré dans tête collée avec ministère Kilti à communication pour couronner quinzaine francophonie lancé lundi 12 avril 2021 une exposition qui baptisée figure bidimensionnelle de Franck Etienne. Activité ça coïncidé avec célébration date naissance trésor national là. Toujours songez brancher télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Bye bye tout le monde, à la prochaine.